L'accompagnement, en fait, comme je suis bénévole, c'est un accompagnement non professionnel. C'est-à-dire que mon but, mon rôle, est d'être en quelque sorte le référent pour une personne qui est dans la précarité ou une personne à la rue. Mon rôle est de l'accompagner dans tous les moments difficiles, je dirais, de cette vie, qui peuvent être des moments de colère, des moments de détresse, des moments de peur, parce qu'il y a des démarches à faire qui sont extrêmement difficiles bien souvent. Mon rôle, en fait, est d'être présent. Moi, je dirais, j'ai simplement à être présent, à être là, avoir une relation vraie avec la personne. Ça demande du temps. Et ça demande surtout que naisse la confiance, puisque ces personnes vivent dans un contexte, en général, de violence. Je suis bénévole en accueil de jour, donc ça veut dire que j'accueille surtout des personnes qui sont à la rue, des migrants, ou des personnes qui, n'étant pas à la rue, sont dans une très très grande précarité. Mon souhait était de m'engager auprès de ces personnes qui font partie des... qui sont parmi les plus pauvres de notre société. Une des grandes pauvretés qu'ils y vivent étant la solitude. Et je pense que le rôle du bénévole est précisément de rompre cette solitude et de créer un lien fraternel, le mot n'est pas trop fort, avec ces personnes et dans la durée. Tout à l'heure, je parlais de confiance. C'est une confiance qui doit s'établir. Mais si je m'engage, c'est dans la durée. Je ne peux pas décider du jour au lendemain que j'arrête là. C'est impensable. La base de ma conviction et de mon action, c'est ça. C'est en tant que citoyen, de pouvoir m'engager auprès des plus précaires de notre société et de ceux qui viennent y vivre. Je pense aux migrants. Je pense aussi que c'est quelque chose qui doit pouvoir être étendu. Autrement dit, je n'ai pas de compétences particulières. J'apporte simplement mon humanité. Et je pense que ce que je fais doit pouvoir être fait par tout homme, toute femme qui souhaite s'engager. Encore une fois, en étant conscient que c'est un engagement et que c'est un engagement moral, mais qui pèse lourd. La confiance étant née, la relation étant créée, mon devoir en humanité est de continuer cet accompagnement. Je peux parler d'un jeune homme qui a 23 ans, enfin, que j'accompagne depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, qui est à la rue, qui souffre de troubles psychiques, il le dit lui-même, qui est aussi victime d'addiction, l'alcool, la drogue. C'est un garçon qui donc subit la violence de cette vie à la rue depuis 6 ans et qui passe par des moments où je dois être présent, en fait. Alors, il y a des moments, tout ce que je viens de décrire produit de la violence. Alors, où c'est de la violence dont il est victime, dans ce cas-là, c'est les urgences, ou c'est la violence dont il peut être l'auteur, et dans ce cas-là, c'est la garde à vue. Et donc, avec derrière tout un processus judiciaire qui s'enclenche. Et donc, je pense que mon rôle est d'être celui qu'on peut appeler quand il y a des démarches traumatisantes. Il faut aller au palais de justice, je l'accompagne au palais de justice. Je ne suis pas autorisé à entrer dans la salle d'audience, peu importe. Je suis là, je l'attends à la sortie, je l'ai accompagné, je lui ai permis d'être au rendez-vous à la convocation. C'est vrai quand il faut aller au SPIP, donc service pénitentiaire de probation, où il est contraint d'aller, et où donc je vais souvent croiser des travailleurs sociaux, d'ailleurs qui sont admirables dans la mesure où ils vont m'autoriser à assister à l'entretien, avec l'accord cet homme. Voilà, ce qui me permet de jouer un peu le rôle de facilitateur ou de ce qui est souvent arrivé, parce que c'est un homme qui a aussi des crises de colère, de violence, voilà, qu'il faut arriver à pacifier les relations qu'il peut avoir. Avec l'idée, malgré tout, c'est mon rôle aussi, c'est de jouer le facilitateur vers une évolution et vers la sortie de la rue et vers l'accès à des droits. Les choses progressent. Il a maintenant, depuis peu, un dossier à la maison des personnes handicapées. Voilà, donc on peut penser que ça va pouvoir évoluer vers des revenus, puis peut-être vers un logement.
des soins. Voilà, donc tout ça est compliqué. Ce que je voudrais préciser, c'est que ce genre de bénévolat, il ne faut pas le faire seul. Voilà. Donc je pense que c'est bien le faire dans le cadre d'une association et d'être capable de parler, d'échanger avec d'autres bénévoles ou professionnels. Voilà, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'il y a quelquefois des décisions difficiles, parce qu'on fait des erreurs de jugement aussi. Voilà, donc je pense que c'est important aussi de ne pas être seul.